Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Ah ouais, c'est clairement... Non mais j'ai envie de tester ultra rapide, c'est pour ça la prochaine. J'ai un problème d'eau ici. Seriously? D'accord. Il faut que je le règle ce problème d'eau. Un, deux. On va régler ce problème d'eau de façon assez immédiate. Oula non, c'est pas cela. C'est cela. Non, les constructions continuent à progresser, c'est cool. Ah, par contre, en termes de planche, on en a plus ici. Allez les gars, supprimez-moi ces deux trucs là, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on va rajouter de l'eau. Sans problème. Alors, on en est où là? Ah, ils ont quasiment tout fini, les messieurs. Ils ont quasiment tout terminé. Ah, bah tiens, j'ai oublié une route. Voilà. Bah justement, je suis en train de chercher Pumpkey. Donc là, je suis en train de produire tellement de population, si tu veux, que je compte sur le fait de consommer plus mes ressources. Donc je compte sur le fait d'avoir des problèmes d'eau, des problèmes de nourriture, etc., etc., quoi. Mais je sais pas si je vais y arriver. Parce que j'étais quand même solide sur les appuis, hein, au niveau de mes civilisations, là. Mais franchement, je me dis juste que je fais des habitations pour le plaisir, là, maintenant, Pumpkin. C'est vraiment pour le plaisir, là, que je fais ça. C'est plus un défi qu'autre chose, au final, là, maintenant. C'est vraiment plus un défi qu'autre chose là maintenant. Alors si je fais ça, par contre, je vais être embêté parce que je vais pas pouvoir monter à l'étage au-dessus, moi. Comment je fais pour monter à l'étage au-dessus maintenant?
Est-ce que je mets un escalier ici? Est-ce que je ne mettrais pas l'escalier ici? Si, on va mettre l'escalier ici. Du coup, ça, on va pas le mettre comme ça parce que sinon on pourra pas l'exploiter. Par contre, comme ça, on pourra totalement l'exploiter. Ici, la lévitation en coin. Forcément, elle y va aussi. Ah, c'est pas mal ça. Ceci et comme ceci. Et là, on n'est pas trop mal. Sécheresse terminée. Pourquoi il me reste tellement d'eau? Ben, regardez ça en bas, ça commence à être jaune tellement c'est haut. C'est un gratte-ciel que je suis en train de faire, les gars. Donc, je suis vraiment en train de consommer mes ressources pour consommer mes ressources. Hein. Mais je veux tester, en fait. Je veux savoir à combien on peut arriver d'habitants, sachant que j'étais à 305 lits au total, d'accord? Là, j'ai rajouté plus de 100 lits, déjà. Je suis en train de transformer cette ville. 67 enfants, 143 adultes. En garderie géante. Cette ville est en train de devenir une garderie géante. Et ça me fait trop rire. Là, comment ils ont fait pour la construire celle-là? D'accord. Et ouais, le prêcheur. Mais en même temps, j'ai rien à faire moi, actuellement sur RSL. Franchement, j'ai rien à faire. Donc voilà. J'ai toutes mes quêtes qui sont faites, etc. etc. J'ai tout de fait, donc... Voilà quoi, quand j'ai rien à faire, hein, le prêcheur. Lol, on a tellement de bois ici qu'on est tranquille. Hein. Tiens, ça y est, l'eau est en train d'arriver jusqu'ici. Oui, parce qu'on a la sécheresse qui est terminée entre temps. Donc du coup, l'eau recoule ici, mais elle est pas encore remontée. Il faut qu'elle remonte la pente, l'eau. Oula, tu sais, même qui, je n'ai pas la science infuse sur l'hydre en moi. Moi, l'hydre, je dirais même que je suis très limité sur l'hydre. Vu comment je galère pour la mienne, déjà on est passé en dessous des 12 000 de pain déjà. C'est pas mal. On a plus de 3 200 de farine. L'enfer absolu. Je pourrais leur mettre 10 boulangeries, c'est vrai qu'ils seraient capables de les alimenter. On va faire d'ailleurs, tiens. Ah, tu veux pas à côté des éoliennes, c'est dommage. Ouais, du coup, pour moi, toute franchise, aujourd'hui, le jeu manque d'équilibrage. Arriver à un certain niveau, il est trop simple. Il est vraiment trop simple. Par contre, je kiffe ce style architectural là.
J'avoue que je trouve ça vraiment sympa. Alors, comment est-ce que je vais faire monter à l'étage au-dessus mes péons là? Comment est-ce que je vais faire pour les monter à l'étage au-dessus mes péons? Oh, attendez, on peut vraiment faire ça? Oh, c'est le feu! Donc, je peux même recouvrir les escaliers, vous êtes en train de me dire? Voilà, le jeu est infini. Ok. Bah écoute, tu m'as accédé par là du coup. J'ai civilisation, oui, tout à fait, le pêcheur. J'y joue pas. Parce qu'en solo, je m'ennuie dessus, mais j'ai civilisation, oui. Oui. Oh là là. Oh, ce jeu, c'est de la folie quand on y pense. Je suis passé à 450 vies. Et c'est pas fini. Oh là là là. Bon, j'ai mon accès qui est ici. Forcément, ça va partir comme ça. Puisqu'au-dessus de ça, là, je peux pas faire quoi que ce soit. Ok. Bah, pourquoi j'achèterais le Game Pass, Avantid? J'ai pas le Game Pass, j'ai pas besoin du Game Pass. Ok, il me manquera juste un moyen d'accéder au-dessus pour le moment. Mais ça va être rapidement trouvé. Ouais, je sais, ouais, mais tout à l'heure Warhammer, j'aime pas ça. Vantid. Ok, pas de soucis, bonne soirée à vous, hein. Attendez un peu, mon district center. Ah, il va pas jusque là-haut. Attendez. C'est bien ce qu'il m'a semblé voir, peut-être. Lol, je sens que ça va être très marrant. Valheim, j'aime pas du tout. Valheim, pas du tout mon style de jeu, Valheim.
Oh, le bâtiment de Taravana, ce que je suis en train de leur faire là. Seven Day to Die. Il faut savoir, les gens, que je n'aime pas les jeux de combat. D'accord? Tout ce qui est jeu de combat, jeu de guerre, jeu de mort, j'aime pas ça. Oula, mes stocks d'eau. Oh, ça y est, je commence à avoir les premiers effets ici. Shalendra! Même survie, j'aime pas trop ça, moi. C'est pas mon style, les jeux de survie. C'est pas ma tasse de thé, quoi. Mais Crusader Kings, non. Ben non plus. Vantage, j'adore tout ce qui est jeu de gestion, jeu de stratégie, jeu très. C'est qu'il faut juste regarder, quoi. Très. Mince, comment j'ai perdu le nom. Tu maries ta famille pour être roi de France, lol. Mince. Ah, j'ai perdu le titre de nom que je cherche. Les jeux, c'est qu'il y a juste à regarder, quoi. J'adore ça, mais après, le reste, SimCity, je l'ai. Voilà, jeux de gestion, également les jeux qui sont aussi qu'il faut juste regarder, qui sont beaux, quoi. Qui sont beaux à regarder, j'aime ça aussi. Et là, franchement, moi, voir cette espèce de gratte-ciel sortir du ciel, là, ça m'éclate pour l'instant. No Man's Sky, mettons, j'aime beaucoup aussi. Toi, je commence à plus trop t'aimer, hein? Oh, regarde-moi cette chatte là. Regarde-moi cette chatte. Cette frousique là. Cette frousique. Hein? Cette frousique là. Europa Universalis, j'ai jamais accroché. Tropico, j'ai joué déjà. J'ai d'ailleurs rien à let's play sur ma chaîne YouTube, Tropico, sachez-le. Frostpunk, je l'ai acheté ce jeu, mais j'ai jamais joué jusqu'à présent. J'ai jamais trouvé le temps encore. Lol, j'ai fait peut-être un petit peu haut déjà là. Mais après, me proposez pas des jeux comme ça, les gens. Je joue à ce que j'ai envie de jouer, hein. Vous savez, hein, si demain j'ai envie de lancer Tropico, je lance Tropico, hein. J'en suis parfaitement capable, hein. Je l'ai le 6. Ouais, l'eau, c'est un délire par contre. Hein. Frostpunk, tu trouves le jeu difficile, hein? Bah, je sais pas, je l'ai jamais essayé encore. On va réduire un peu le blé. Et on va rajouter les pompes à eau. On va vraiment rajouter les pompes à eau. Parce que je commence à craindre le pire avec ma bêtise, c'est que ça consomme énormément d'eau, tout ça. Toute cette population. Alors oui, c'est un peu extrémiste. Et alors? Ouais, mais t'inquiète, le prêcheur, je suis entre guillemets assez l'actu, etc., etc. Au niveau JV et franchement. Ben, les jeux qui sortent aujourd'hui, c'est quasiment que des jeux de guerre ou des jeux de baston, quoi. Ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve pas le fun dans ces jeux.